Salut, salut, c'est Biloulette et Lion. Salut Lion. Salut Bilou. Comment ça va bien? Ça va super. T'es dans un beau jardin là, dis-moi. Je suis dans un magnifique jardin. Enfin, t'es un peu en l'air, hein, mais parce que ça, on est trop fort, nous, on vole. Ouais. C'est pour ça. Alors en fait, on vous fait une petite vidéo rapidos à propos de The Show. Donc voilà notre jolie affiche. Notre jolie affiche The Show. Donc c'est une vidéo pour vous indiquer que nous allons organiser un tirage au sort de 5 d'entre vous pour venir assister à l'émission sur le Tchan. Donc comme je vous l'avais dit, enfin comme on l'avait annoncé plusieurs fois, il y aura 20 personnes tirées au sort au total dans le public. Donc ces 20 personnes seront prises comme suit, c'est-à-dire 5 personnes tirées au sort sur le Tchan, dont je vous rappelle l'adresse qui va s'inscrire sur la vidéo, et 15 personnes qui seront prises sur ma chaîne. Donc il y a un certain nombre de prérequis, on va dire, pour pouvoir organiser ce tirage au sort. Alors déjà, il aura lieu samedi à 15h, c'est ça, Lion, hein? Samedi 15h, oui, à Voilà. partir de 15h. Donc à partir de 15h, il faut que vous soyez connecté sur le Tchan. Moi, je serai en live via la radio avec Lion et donc on fera le tirage au sort. Donc alors il y a plusieurs choses. Il faut que vous sachiez déjà que le tournage en lui-même est prévu pour le mercredi 28. Et le seul point noir qu'il va y avoir pour une majorité d'entre vous, c'est que le tournage se fait de 21h à 1h du matin. Donc je sais qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous qui du coup ne pourront pas assister au tournage parce que les horaires ne s'y prêtent pas vu qu'il y a école le lendemain. En revanche, sachez que pour les autres tournages, ils s'effectueront le samedi après-midi. Pourquoi tu regardes tes pieds, Lion? Parce que j'étais concentré, j'écoutais. Je t'écoutais. D'accord. J'étais bercé. Ouais, c'est cela, ouais. Donc du coup, les prochains tournages, ne vous inquiétez pas pour les plus jeunes, ce sera le samedi après-midi, exprès pour que vous puissiez assurément venir assister à l'émission. Là, pour la première, il s'avère que le seul jour qu'on avait de dispo, tous autant qu'on était, puisqu'on est au total maintenant 22 dans l'équipe, plus l'invité, donc fallait caler les plannings de tout le monde. Il n'y avait que mercredi de dispo. Donc je vous rappelle que ce sera de 21h à 1h du matin. Donc il Alors, va. Pardon. ah oui, je voulais faire une petite précision. Pour le tirage au sort, ne vous inquiétez pas non plus si jamais sur le tirage au sort, que ce soit via les abonnés de Bilou et sur le Chan, si vous êtes sélectionné et que vous ne pouvez pas assister à cette émission-ci à 21h30, on retient le fait que vous avez été sélectionné et vous serez reporté pour l'émission d'après. Donc même Voilà. si vous êtes sélectionné maintenant, vous inquiétez pas. On prendra vos coordonnées, etc. Et on vous garde, vous avez votre place pour l'émission d'après. Voilà, tout à fait. Donc du coup, ça veut dire que sur le Tchan, bon, ça vous empêche pas, hein, les plus jeunes, de venir sur le Tchan papoter avec nous, puisque par la même occasion, on fera un live comme on a fait depuis quelques jours. Mais pour donc le tirage au sort des plus vieux, on va dire de ceux qui peuvent assister au tournage entre 21h et 1h du matin. Donc il y a un certain nombre de prérequis. La première chose, c'est de ne pas avoir de Minecraft craqué, puisqu'on est sur un serveur et qu'il n'accepte pas les jeux craqués. Donc il faut impérativement que vous ayez un Minecraft officiel et il faut également qu'il soit en 1.7.3. A priori, puisque, alors on ne sait pas encore, mais on ne devrait pas encore être passé en 1.8 en 1.8 d'ici le tournage. Donc il faudra que vous soyez en 1.7.3. Que dire d'autre? Donc il y aura 5 personnes qui seront sélectionnées sur le Chan. C'est une sélection qui sera faite au hasard via un random. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Lion? Oui, donc on vous enverra de toute façon un avis en pièce jointe par mail le pack de textures que vous devrez impérativement mettre pour venir dessus. Alors avec une petite charte, un petit règlement à suivre pour le déroulement de l'émission et surtout pour voilà ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, etc. Il sera bien évidemment, on vous fait confiance de ne pas déposer le pack de texture avant que
l'émission ne soit sortie sur la chaîne de Biloulette. Oui, impératif, bien pour sûr. Pour des raisons évidentes. Voilà, en gros pour ce passage-là. De toute façon, concernant le pack de textures, je le mettrai à disposition via la chaîne une fois que la première émission sera sortie, mais il va de soi qu'il reste confidentiel vous concernant. Vous ne pouvez pas vous en servir autrement qu'en venant sur l'émission. Alors, quand je vous ai dit que le tournage donc aurait lieu mercredi 28 de 21h à 1h, ça veut dire que vous, le public, on vous fera venir une grosse heure avant, puisqu'on va vous faire visiter tout le complexe. Donc là, vous voyez un tout petit bout du complexe, mais je bouge pas, hein, vous remarquez, je bouge pas pour pas vous en montrer trop, parce que voilà, je veux que vous ayez des choses à découvrir le jour J. On vous a organisé tout un tas de choses pour vous occuper, pour que vous passiez vraiment un moment qu'on espère inoubliable. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, il faut que vous soyez prêt à pouvoir venir sur le serveur, dont on vous donnera l'IP en temps et en heure, et on vous whitelistera aux alentours, je pense, de 19h30-20h, là, il y en a à peu près, hein. Oui, à peu près. Alors, oui, donc on compte vraiment sur vous pour respecter les règles. On a fait vraiment en sorte pour que ce moment soit vraiment agréable pour vous et pas juste, voilà, vous venez, vous assistez et vous vous en allez. Non, non, on veut vraiment vous faire partager notre petit univers. Mais bien évidemment, à la moindre, au moindre faux pas de votre part, voilà, ce sera, on chipotera pas, on cherchera pas, ce sera un kickban du serveur et on aura une liste en réserve de personnes qu'on peut contacter pour vous remplacer. Donc, les règles sont simples, il suffit juste de savoir se tenir pendant le tournage, de rester assis, etc., de ne pas casser les objets, le décor, de ne pas balancer des objets partout. Bon, a priori, il y aura des restrictions, etc. Mais après ça, on vous donnera plus de droits pour l'animation. Mais donc voilà, ça sera toujours du moment. Voilà, ce sont vraiment les règles de base. Il y aura des gens qui seront là pour s'occuper de vous, pour vous animer. Justement, ça, j'allais rebondir là-dessus. Il y aura effectivement EasyTA et KRM qui s'occuperont de votre animation, hein, entre guillemets, puisqu'il était super important pour nous que vous soyez pas là pour faire tapisserie, quoi. J'ai pas juste besoin d'un public pour faire beau sur la vidéo. Moi, je voulais pouvoir vous faire partager un truc particulier. Donc, vous aurez deux personnes qui seront là pour vous occuper, vous animer, etc. On a prévu tout un tas de choses diverses et variées également. On sera avec vous, hein, tous autant qu'on est, pendant les temps d'animation, etc. Donc vous ne serez pas pareil tout seul, hein, moi je serai avec vous, Lion aussi, sauf bon pendant le tournage où je serai sur scène et puis Lion dans les bacs, mais de faire en sorte, voilà, que ça se passe au mieux pour vous. Par contre, effectivement, clairement, vu que c'est un tournage et que c'est important, au premier souci, on cherchera pas à comprendre et vous serez automatiquement sorti du serveur. Alors, il y a une chose aussi que je voulais aborder tant qu'on y est, c'est que j'ai reçu pas mal de mails et de commentaires me disant que vous n'arriviez pas à vous connecter sur le chat. Donc, je vous rappelle que nous avons monté un chat IRC. Donc pour Biloulette et pour The Show, chan sur lequel vous pouvez venir chatter avec moi, donc j'y suis plusieurs fois par jour. On organise également des lives parce que ce chan est branché aussi sur une radio, donc on organise des lives où on est avec vous, nous, en live, et où vous pouvez nous poser vos questions, etc. Donc ce chan, pareil, je vais remettre l'adresse sur la vidéo. Comment on pourrait leur expliquer simplement, Lion, comment se connecter dessus? Alors, c'est très simple, il y a deux solutions. Donc la première, c'est vraiment pour les néophytes et pour ceux qui n'y connaissent pas trop. Le moyen le plus simple, c'est de se connecter sur le lien que Biloulette va mettre ici, de rentrer son pseudo et de cliquer sur pour entrer un code, okay. Oui, c'est un petit, code, il y a un mot de passe, voilà. Alors il faut mettre votre âge et il y a une autre petite question, mais voilà, ça c'est juste pour la plaie. Vous cliquez sur connecter et vous allez arriver directement sur une page autre page, ouais.
C'est ça, avec plusieurs chaînes. Non, non, d'abord, il y a une autre page toute blanche où vous devez re-rentrer votre code. Non, ça c'est pour seulement pour ceux qui sont enregistrés, mais Ah, d'accord. c'est pas nécessaire. Ah, d'accord. Donc vous allez arriver sur et vous avez en bas les petits onglets. Il y aura un chaîne 8X, un chaîne radio, et alors il y a le chaîne Biloulette. Donc si vous ne voyez pas, en fait c'est vraiment en dessous, c'est Tout en bas. un petit onglet. Vous cliquez sur le canal Biloulette. Alors pour ceux qui s'y connaissent en IRC et qui ont un client, donc c'est un petit logiciel. Vous pouvez télécharger donc MIRC, une petite recherche Google, ben voilà, c'est très rapide, MIRC. Le serveur c'est 8x.org et le canal pour y entrer, vous tapez slash join et espace c'est dièse biloulette avec deux T. Donc Je vous le voilà. remettrai dans la vidéo également. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Voilà, donc à partir de là, vous êtes en système de chat avec nous et régulièrement, je vous dis, on vient en mode radio avec vous pour pouvoir papoter en direct avec vous. Et Larcis est venu faire un tour hier. Enfin, après, on essaiera d'organiser comme ça des émissions radio un petit peu sympa où on aura des invités, etc. Quoi d'autre? Il me semble que c'est à peu près tout Ouais, je crois que pour c'est les... tout ce qu'on voulait vous dire. Donc le premier invité de The Show sera Bob Lennon. Donc on est ravis, super ravis même de recevoir Bob pour Le cette magnifique, le grandiose Bob Lennon. Voilà, donc pour cette première de The Show, donc on est super content de le recevoir. Et puis bah écoutez, voilà, hein, la première, donc la sortie sera prévue pour le samedi 8 octobre. Donc on tourne le 28, après le temps de tout compiler, monter, tout ça. Normalement, si tout va bien, ça doit sortir pour le 8 octobre. De toute façon, on vous fera signe si jamais il y a un décalage, mais normalement, il ne devrait pas y en avoir. Donc voilà, donc je vous rappelle la date samedi. Alors attendez, je vais regarder sur mon agenda pour vous donner exactement. Donc c'est samedi 24 octobre, samedi qui vient là, à 15h, rendez-vous sur le tchan pour procéder donc au tirage au sort de 5 d'entre vous. Je vous rappelle que vous devez être abonné à ma chaîne et que les 15 autres seront pris directement sur la chaîne. Voilà, donc je vous rappelle également que vous devez pouvoir être libre de 19h30 à au moins 1h du matin. Que si ça n'est pas le cas et que vous avez été sélectionné, comme l'a dit Lyon, on vous conservera pour l'émission suivante et c'est vous qui serez invité puisque les émissions se tourneront le samedi. Voilà, donc bah écoutez, j'espère qu'on a été suffisamment clair pour que vous ayez toutes les infos. Et puis bah écoutez, donc on vous dit rendez-vous samedi sur le tchan pour un petit délire comme d'hab entre nous et puis le tirage au sort des 5 vénards qui viendront au tournage de The Show. Walou, bah écoute, c'est tout, je crois, Lyon. Oui, c'est tout, c'est tout. Hein, c'est tout. Voilà, donc bah écoutez, on vous dit donc à samedi, et puis bah j'espère que tout ira bien d'ici là. Voilà, moi je vous dis à plus plus, et puis bah salut Lyon. À plus plus, salut Bilou. Allez, bye bye.